se retrouve pour la fin de notre page. Alors j'ai un peu modifié, je vous ferai voir à la fin. J'ai mis des couleurs un peu plus douces en fait, des couleurs plus pastel. Donc j'ai fait des petites taches, donc ça aussi je vais vous faire voir à la fin. J'ai mis le scotch comme ça derrière les photos, pas peur de temps. D'abord là on va faire que on va hop, prendre la... prendre la all purpose glue. Bon je sais elle sent très fort, on en met un peu, pas trop non plus, c'est trop tard, le un peu chez moi je n'y arrive pas, voilà on va dire ça comme ça, voilà. Et je vais la positionner à peu près par là. Je trouve que là, ça peut être son emplacement comme ça. Parce que là, je vais cacher la photo de Ninas. Comme ça. Love. Donc, je vais essayer de me mettre droite. Je ramasse vite fait mon ruban. Donc je vais enlever. Je vais commencer par la photo de Ninas. Je pense qu'on va essayer de se mettre droite comme ça. Ou est-ce que je commencerai pas par les autres photos? Je vais coller d'abord toutes les petites. Les petits trucs comme ça pour mettre dessous. Alors lui. C'est encore plus petit. C'est encore plus petit, mais je sais pas où j'ai mis les petits trucs. Donc, essayer d'en mettre un petit peu, pas trop. Voilà. Donc, j'ai dit pas trop. Donc là, on va la mettre comme ceci. Voilà, un petit peu. Voilà. Je sais plus si j'avais un truc. Je pense que j'avais un truc. Hop. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par accrocher celle-là. Je vais vous faire voir parce que vous ne la voyez pas. Celle-là là. Donc. Je vais mettre de la colle. Il ne fallait pas que je mette de colle. C'est parti. Donc je prends ma photo, je la mets à l'envers. Je fais comme ceci pour essayer de la positionner déjà. De toute façon, elle sera dans le cadre, donc elle sera attachée quoi qu'il se passe. Il y aura une vitre et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, je vais essayer de me mettre droite et essayer de vous faire voir. Hop, ça c'est pour Nini. Du coup, je me mets droite. Je vous fais voir à peu près comment je la positionne. Comme ceci, c'est pas mal. Là, hop là, il y a le mot 4, le mot que je voulais. Hop, je fais comme ceci, je tire, hop là, je fais 1, 2, 3. C'est celui-là, j'ai perdu le truc. Et 4, pourquoi il n'a pas voulu se retirer lui? Le quatrième. Et 4. Voilà. J'ai perdu quoi? J'ai perdu.
perdu le cœur. Donc voilà. De toute façon, c'était pas trop droit. De toute façon, à la base. Donc, c'est pas très gênant. Voilà. Hop, on met bien. Voilà. Je voudrais plus être droite. Je suis pas très droite là. Ça va. Ça va, mais déjà le truc n'était pas droit déjà. À la base. Voilà. Et on va mettre le rond autour comme ça. Donc. Là, on met ça, comme ça, 2, 3, voilà, non, c'était pas comme ça, c'était comme ça plutôt, voilà. De 3, ça c'est bon. Ensuite, il nous reste la feuille. Elle est mise. Bon, c'est bon. Mais c'est bon. Titi. Et on n'a pas mis ça. Voilà. Donc ça, on va se le mettre là. Ensuite, on a la Titi. Titi, on va lui mettre sa feuille. Titi, c'est mon chat. Je vous en parle souvent. Là, il n'est pas là, mais je vous en parle souvent. Qui fait beaucoup de vidéos de bêtises dans les vidéos. C'est Titi. Donc Titi, mais aussi, ah lui on lui a pas mis de scotch, bah tiens on va lui mettre du scotch. Alors on n'a plus grand chose à faire. Donc voilà. Donc je vais coller mes photos. Juste coller les photos. Je reviens avec vous pour coller le reste. Et faire des petites patounes.
spaghetti. Je me mets droite pour coller Didi à peu près droit. Voilà, on va le coller par là, Didi. Pas trop bas non plus. Titi, il sera collé là, lui. J'espère qu'il rentre encore dans le cadre. Je pense que oui. J'ai fait exprès de voir. C'est combien que je l'ai laissé là? 1,5. Ouais, à peu près, c'est bon. Normalement, il rentre. Il rentre facile, il rentre jouable. Alors là, on va prendre ceci. Voilà. On va le mettre comme ceci, mon petit Didi. Donc c'est les deux comme ça. Ah oui, mais merde. Non. S'il faut, je les mette quand même à l'endroit. Ouais, mais c'est pas très grave. Attends, ils sont. De là du coup qu'est ce que j'ai foutu comme connerie, je me suis planté ou un petit peu, ouais. Je me suis un peu planté, tu vois. C'est les deux comme ça. On va mettre les autres. Voilà. Là aussi, peut-être mettre un petit pour ici. Ça se voit moins la traînée de Titi, tu vois. Mon Titi, il manque juste la patoune. On va se la mettre là, je pense. La patoune. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour Titi. Et pour Georgino, je vais te mettre au milieu.
façon où on en est. Voilà. Donc il nous manque la patoune. Elle est là. La petite patoune qu'on va mettre là. Sa petite patoune, lui il n'a pas de truc comme les autres. Peut-être qu'on va en mettre un là. Voilà. Donc voilà, la vie est belle par là. Ouais, c'est pas grave si c'est sur la tâche grise. Il y a les autres tâches. Le feuillage, donc c'est bon pour lui. Prendre le temps. Donc je me dépêche. De si jolis souvenirs. Attends, le chat il va être au milieu là. Si jolis souvenirs, ça va aller par là. J'espère que je suis droite. Ça, c'est moins sûr. Mais j'espère que je suis à peu près droite. Le chat, il va au milieu. Il reste quelques trucs à faire, vite fait. J'ai presque fini. Hop. Le chat, lui. Il va là, au milieu. Douceur, elle est là. Oh, merde, pardon, zut. Ça, ça va pas marcher. Faudra un truc de précision. Par exemple, dans la je ne sais pas où c'est passé. Douceur. Le mettre là. Douceur. Douceur. La vie est belle.
prendre le temps, bon, ça va aller. Prendre le temps pour le mettre par là. Prendre le temps, tu vois, là, ça va. Est-ce qu'on met le chat? J'en sais rien. Pourquoi le chat il est comme ça lui aussi? Bon, c'est pas... Bonheur partagé. On va faire les petites patrouilles. Bonheur partagé, on peut le mettre par là lui. Est-ce qu'on met la rose? J'en sais rien pour l'instant. On va faire des petites patounes. Voilà. Et on va faire des petites patounes. Je les ai mis. Voilà. Faire des petites patounes un peu partout. Petite patoune. Petite patoune. Petite patoune. Petite patoune. Petite patoune. Merde. Elle est passée où la patoune? Petite patoune. Bon, je pense qu'il y en a pas mal. Une autre vertiti peut-être. Lui, il n'a pas de patoune. Georgie non plus, mais Titi non plus. Ouf, c'est bon, il y a assez de patoune, je crois. On va en mettre une là encore, patoune. Et ça ira bien. Voilà. Hop. Et une là. Voilà. Est-ce que je mets Iloa ou pas? J'en sais rien. Je vais l'écrire sur une feuille blanche. Pas sur celle-là du coup, non, mais sur une autre. Je vais prendre une feuille de mon bloc. Voilà, on a fait des petites patounes. Alors maintenant, voilà, je mange, je sais pas quoi mettre de plus. Je mets ça. Non. Où est-ce que je mets la rose? Peut-être la rose. Je sais vraiment pas où, même pas mettre la rose. Ouais, non. Ça manque de rien. Là. Je vais juste écrire Iloa. Je vais juste mettre le nom de mes chats. Et je reviens vers vous. Et je vous fais voir le résultat. On se retrouve pour le résultat.
Donc voilà la page 30-30 que j'ai faite. Alors j'ai mis des petites patounes de chat. Le mot douceur, le mot prendre le temps, la vie est belle, Georges, Ilo, Aninas, des tamponnages. On l'a fait ensemble. Hein. Puis après, bah voilà quoi. Donc je pense que ça peut plaire à maman, j'espère. Voilà, tout cœur. J'ai fait dans des couleurs pastel, un peu noir aussi, mais c'est parce que bah, ça forcément, il le faut quoi. Et voilà. Je suis assez contente du résultat. J'espère que ça lui plaira. Et voilà, ça fait un souvenir de ses petits-fils. Hein. De ses chats, de son chat, et de mon chat et du chat de ma soeur. Voilà. On les aime, nos animaux, on les aime. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.